savait vraiment pas ce qui allait nous arriver. On a eu l'impression qu'il nous tombait une roche sur la tête. On était complètement catastrophés, complètement anéantis. C'est le site des Pernes et notre lutte pour les Pernes qui dure depuis presque 10 ans. Quand j'ai trouvé cette petite bergerie, je ne savais pas. Je n'étais pas au courant de ce projet. Et dès que je l'ai appris, j'ai été alarmée. Un jeune rugbyman a dit à un copain, tu sais, je vais bientôt travailler, il va y avoir une carrière à Bouillong. Ils ont l'air d'oublier que c'est notre planète qui nous fait vivre. Sans notre planète, on ne serait pas là. Alors, il serait peut-être temps de la respecter. Mais c'est rien du tout à l'échelle du temps. Ce n'est rien. 20 ans de carrière, mais ça fait fiche tout, ça peut fiche tout en l'air. Et puis là, il n'y a pas de plan B. À un moment donné, moi, il faut reposer un peu la question, quoi. Est-ce qu'on veut vraiment développer l'emploi? Est-ce qu'on veut vraiment travailler, nous les Français, ou est-ce qu'on veut se poser en donneur de leçons, en faisant de l'écologie à outrance? On n'est pas favorable pour la carrière. C'est un site quand même qui nous tient à cœur, où on va se promener, on n'a pas envie de voir une carrière débarquer là, et du passage avec les camions aussi, c'est prévu juste ici, derrière vous. C'est un peu désolant, hein. C'est un manque de jugeote, je dirais. Voilà, simplement. C'est tout, de mon sens.